Vous suivez la télévision ici à Nganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici les principaux titres. Célébration ce 1er mai de la Journée internationale du travail et des travailleurs. Pour cette occasion, le président de la République du Burundi, dans son message à la nation, a indiqué que plus de 90% des fonctionnaires ont été régularisés en ce qui est des annales. Au cours de cette semaine également, les journalistes du Burundi se sont joints aux autres journalistes du monde entier pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse au Burundi. Cette journée intervient dans un contexte difficile pour l'exercice de ce métier. Et certains journalistes qui se sont exprimés sur les micros de la radio-télévision Sanganiro déplorent l'incarcération de leurs confrères. Vous aurez plus de détails au cours de cette rétrospective et certains habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbudi, victimes des inondations causées par le lac Tanganyika, ne sont pas d'accord quant à la décision qui a été prise de les délocaliser dans d'autres lieux ou d'autres provinces du pays. Le chef de la zone Gatumba, de son côté, indique qu'une campagne d'explication est en train d'être menée. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Près de 3000 nouveaux fonctionnaires de l'État ont été recrutés dans les secteurs qui nécessitaient le renforcement en personnel. Cette annonce a été faite par le président du Burundi dans son message à la nation pour la Journée mondiale du travail célébrée le 1er mai. Le président trouve non fondées les lamentations comme quoi le recrutement se fait en clandestinité. Suivez-le. Dans le secteur des fonctionnaires de l'État, certains défis ont déjà été relevés, ce qui se poursuit suivant les fonds disponibles. Plus de 90% des fonctionnaires de l'État ont recouvré des annales qui étaient jusque-là gelées. C'est dans la politique d'harmonisation des salaires. De même pour certains fonctionnaires qui étaient encore en arrière, particulièrement les forces de défense et de sécurité et autres domaines, leurs salaires ont été revus à la hausse d'une manière satisfaisante. Les services habilités restent à l'œuvre dans les calculs pour le bien des fonctionnaires de l'État. En ce qui est de l'emploi, nous ne pourrions pas dire qu'il y a eu de recrutement comme tel, parce que certains citoyens demanderaient pourquoi ils n'ont pas été embauchés comme tant d'autres, puisqu'étant fils et filles du pays. Seulement, de nouveaux fonctionnaires ont été embauchés dans certains secteurs de l'État qui enregistraient beaucoup de besoins en personnel. Ainsi, 2874 nouveaux employés ont été recrutés dans le domaine de l'éducation, 160 dans le domaine de la santé. Ici, je voudrais faire un clin d'œil aux Burundais qui véhiculent certaines opinions comme quoi le recrutement se fait en clandestinité. Tous ceux qui ont été recrutés ont passé un test de recrutement et cela sans favoritisme. Même ceux qui avaient des doutes ont eu l'occasion de déposer leurs plaintes et ceux qui avaient raison ont été rétablis dans leurs droits. Le président de la République a été traduit en français par notre confrère Alain Désilé. Bukeneza et la Confédération des syndicats du Burundi, Kosebu, souhaite que l'espace de travail des tricycles, motos et vélos soit étendu au centre-ville en ces moments durs pour les déplacements. Ces propos ont été tenus lors de la célébration de la journée également des travailleurs ce mercredi 1er mai. En mairie de Bujumbura, Tarsis Gahungu, on a appelé au dialogue en mairie, plutôt entre organes, et ont décidé de réduire le périmètre de circulation de ces engins afin de donner des facilités aux travailleurs. Le vice-président de la République, Prosper Badzombanza, de son côté, a reconnu cette problématique et ajouté à celle soulevée par l'Association des employeurs
du Burundi et trouveront solution par la négociation. Le point avec Mireille Kanyangi. Lors de cette célébration à mairie de Bujumbura ce mercredi, Théodore Kamwenwusa, président de l'association des employeurs du Burundi AEB, s'est rangé du côté du respect de la loi lorsque des fonctionnaires et des autorités font du commerce. Quand les fonctionnaires ou des autorités violent la loi en faisant leur commerce, qui va faire respecter la loi? Lorsque la loi n'est pas suivie, on ne peut nullement parler de développement du commerce et les recettes dans le trésor public n'augmente pas. Dans son discours, Tarsis Garungu, ayant représenté la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, a demandé que les tricycles, les motos et vélos soient à nouveau autorisés à approcher le centre-ville, vu qu'il y a aujourd'hui des difficultés de déplacement, surtout le soir. On a interdit aux bajaj, motos et vélos d'arriver en plein centre-ville. C'est peut-être vrai que ça causait des accidents. Mais si l'on regarde actuellement les difficultés de déplacement, je pense qu'il y a des mesures qu'il faudrait revisiter. Nous avons la chance, le maire de la ville est ici. Vous pouvez vous parler et refaire la zone de circulation pour que les citadins se déplacent facilement. Sur ce, Prosper Bazombanza, vice-président de la République, a expliqué que l'exécutif va s'y pencher, tout en promettant que c'est à travers le dialogue que la solution au desiderata sera trouvée. Pour le reste, ce qui est des discours des représentants des employés COSIBU et des employeurs AEB, nous avons bien reçu leur doléance. Les solutions seront trouvées en passant par le dialogue. On regardera les intérêts des uns et des autres, mais surtout le développement du pays. Cela est ainsi au moment où des files d'attente sont interminables au parking de bus au centre-ville, surtout le soir et dans les quartiers suite au manque de carburant. Je vous l'avais dit en titre, ce 3 mai était une journée internationale de la liberté de la presse au Burundi. Cette journée intervient dans un contexte difficile pour l'exercice du métier. En effet, certains journalistes du Burundi qui se sont exprimés au micro de la radio-télévision Isanganiro ont déploré l'incarcération de leurs confrères. Ils ont demandé la latitude de pouvoir communiquer facilement les résultats des votes lors des prochaines échéances plutôt électorales. Suivez-les. On peut affirmer qu'au Burundi, il y a la liberté de la presse parce qu'il y a les lois qui régissent la presse et les lois qui sont toujours retouchées pour intégrer les nouvelles réalités. Au Burundi aussi, le journaliste peut couvrir des informations sur tout le territoire du pays. Certains des indicateurs qui montrent qu'au Burundi, il y a la liberté de la presse. Mais aussi, à ces indicateurs, j'ajouterai aussi la liberté de création des médias. Au Burundi, il y a cette liberté de créer les médias. Quelques défis qui hantent toujours la liberté de la presse au Burundi. Ces défis sont notamment la rétention, la réticence des décideurs quand les journalistes demandent des interviews comme il fallait. Il donne des rendez-vous interminables. Un autre défi majeur, c'est que la liberté de la presse, aujourd'hui, se célèbre au moment où on parle souvent des journalistes incarcérés. Ça, c'est aussi un autre défi. Mais aussi, cette liberté de la presse que nous célébrons aujourd'hui arrive à l'approche de l'échéance électorale 2025. Alors, c'est mieux que les journalistes pendant cette échéance soit libre, soit plus libre. Mais ça donne aussi la crédibilité à notre pays. En fait, la liberté de la presse vient au cas où le Burundi connaît une pénurie. Surtout, c'est les denrées alimentaires et le manque de carburant. Vraiment, nous pouvons dire que la liberté de la presse vient dans des conditions qui ne sont pas sûres. Nous pouvons dire que
il y a nos camarades, nos frères et sœurs qui sont emprisonnés. C'est la journée que nous célébrons dans la période où nous approchons la période électorale et nous réclamons beaucoup plus que notre fonction soit encadrée de plus. Parce que la période des élections, c'est la période qui est très difficile. La liberté de la presse actuellement, je peux dire qu'il y a un régime, mais si on cherche des informations, et vous voyez que nous célébrons la journée mondiale de la liberté de la presse, alors qu'il y a trois journalistes qui sont incarcérés, c'est sa liberté qui est mise en cause, c'est la liberté de la presse qui est mise en cause, c'est la liberté de la population à s'exprimer qui est mise en cause. Vous avez vu que en 2020, des barrières ont été mises devant les journalistes qui ne leur ont pas permis de pouvoir communiquer les résultats des élections. L'Internet était coupé, c'est-à-dire qu'on devrait passer par d'autres voies et moyens pour pouvoir donner des informations sur l'OTA. Et ces informations aussi, puisque le journaliste n'avait pas le droit de communiquer les résultats des informations, donc je demanderai à ce que les journalistes aient cette opportunité de pouvoir communiquer les résultats des élections en temps réel. À ce propos, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, et que plutôt Olucom, s'inscrit en faux contre l'emprisonnement des journalistes ainsi contre le code électoral qui interdit aux journalistes de communiquer les résultats électoraux au niveau des bureaux de vote pendant les élections prochaines. Suivez. Le secteur des médias a beaucoup de défis, dont un défi qui est lié aux moyens de subsistance. Que ce soit les journalistes, que ce soit les entreprises de presse, nous constatons avec regret que ce domaine est presque un domaine oublié. Nous pensons que si réellement, que ce soit le gouvernement et d'autres partenaires puissent vraiment contribuer jusqu'à ce que le secteur des médias soit un secteur rentable. Je ne dis pas avoir beaucoup, mais quand même, ils ont besoin beaucoup de moyens pour travailler. Regardez par exemple, actuellement, nous avons un problème de carburant. Il y a un problème de pénurie d'électricité. La plupart des médias actuellement sont appelés à acheter des produits pétroliers faute d'électricité. Nous faisons vraiment un appel vibrant à l'endroit des partenaires du Burundi, à l'endroit du gouvernement, de tout faire pour que le secteur des médias soit un secteur qui a des moyens, surtout les moyens matériels et financiers. Nous constatons qu'actuellement, c'est un problème vraiment que nous constatons. Tout le monde peut se poser la question pourquoi l'Olicom parle de cela. D'abord, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Ça, c'est un. Les médias sont là non pas pour le gouvernement, mais pour l'État. C'est-à-dire pour le gouvernement, pour le territoire, pour les institutions, pour les citoyens, c'est pour tout le monde. Certains habitants de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura et victimes des inondations causées par le lac Tanganyika, expriment leur réticence face à leur délocalisation dans d'autres provinces du pays. Le chef de zone Gatumba dit que des campagnes d'explication de cette décision gouvernementale sont en cours pour faire comprendre l'importance de celle-ci à cette population sinistrée. Mais cette population s'inquiète de voir que des gens ayant beaucoup de moyens sont par contre en train d'acheter les mêmes propriétés aujourd'hui sous l'eau. Le point avec Evariste Ndekobanya. La majorité de la population de Gatumba vivant aujourd'hui dans l'eau mène une vie difficile. Selon les témoignages recueillis sur place, la plupart dorment dans leurs maisons inondées et pour accéder à leur domicile, ils prennent des petites pirogues à partir de la route Bujumbura-Gatumba pour y accéder. Les activités commerciales se déroulent au bord de cette route dans des kiosques à moitié inondés. Certains des sinistrés de Gatumba qui ont refusé la prise de son et des images
ne digèrent pas la décision du gouvernement de les délocaliser dans d'autres provinces du pays. Mais les campagnes de sensibilisation sont en cours pour leur faire comprendre le bien fondé de vider les lieux, rétorque Muyobo Kejan, le chef de zone Gatumba. C'est une bonne orientation du gouvernement et la population en est sensible car nombreux sont déjà venus se faire inscrire et ont bel et bien répondu massivement à cette peur du gouvernement. Nous, les administratifs, nous continuons à sensibiliser la population. Les sinistrés d'Ogatumba, qui ont requis l'anonymat, avancent une autre raison qui leur pousse de ne pas quitter Gatumba. Ils disent ne pas comprendre pourquoi il y a aujourd'hui des riches qui viennent s'acheter des étendues de terres inondées. Le chef de zone Gatumba dit ne pas être au courant de cela. Je ne suis pas au courant de l'achat des étendues aujourd'hui inondées. L'important est de répondre à la perte du gouvernement, car c'est le parent qui donne l'orientation. C'est le gouvernement qui les avait installés ici et il a le plein droit de les délocaliser. La population sinistrée d'Ogatumba veut également savoir si elle sera permise de revenir au cas où la situation aura changé. Le chef de zone Gatumba répond que la délocalisation sera définitive, arguant que des signes ont déjà montré que Gatumba est invivable. Il est difficile de revenir dans un endroit inondé. C'est très difficile. Il y a à l'endroit inondé depuis 2020 et l'eau est toujours là. Il faut accepter la décision du gouvernement. À part les résidents d'Ogatumba qui vivent aujourd'hui une vie semi-aquatique et qui ne savent à quel sens se vouer, les éleveurs de gros et petits bétails ne savent pas où les délocaliser si la situation reste ainsi. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.